trésor ou sous un réverbère qui soulève un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Au pif et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre pour mettre le monde à l'envers. Bando, pif et Hercule, on la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Circuler, y a rien à voir. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh, parlez-moi d'une île déserte, loin du bruit et de la fureur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de loterie? Ouf, de toute façon, avec la chance que j'ai. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de loterie! Ah, oh, avec la chance que j'ai! Allez, voyons, 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 voyons. Eh ben quoi? Les chats noirs, ça porte chance, c'est bien connu. Alors. Quelle vie de chien, quand même. Coucou. Tu sais quoi, Cabot? Tu as loupé la chance de ta vie. Effectivement, tu es là. Non, non, non. Gros lot, mon vieux. Et maintenant, il est à moi. Quoi? Mais c'est mon billet, ça. Rends-le-moi. Le gros lot, hein. Salut, Hercule. À un de ces jours. Salut l'oiseau, je pars pour les îles. Ouais, toujours les mêmes. Salut shérif, je pars en vacances. Et vous croyez peut-être qu'il va s'en tirer comme ça? Salut, vieux. Oui, c'est pourquoi? À votre avis? Vous êtes représentant à Produit Canin? C'est la chance de ma vie, monsieur. J'ai gagné le gros lot. À moi, les vacances. Non, non, non. Oh. J'ai gagné. Psychologiquement intéressant. Je parie sur le chien. Il a l'air... Oh, zut, exéco. Au fait, qu'est-ce que j'ai gagné? Une île. Une île? Mais il faut pour ça que je sache à qui appartient le billet. À moi? Ose répéter ça et je... Tu quoi, hein? T'es tout seul ou t'attends des copains, là? Ah non, ça suffit. En vertu des pouvoirs que me confère cette histoire et la couleur de vos truffes, je décide d'attribuer le gros lot en copropriété à monsieur... Pif. Et monsieur... Hercule. Et qu'on se le dise, adieu. Monsieur Hercule, le plat préféré de monsieur est servi, si monsieur veut bien. Merci, mon brave. Le plat préféré de monsieur est servi, si monsieur veut bien. Merci, mon brave. Ah, la grande bleue, les cocotiers et les bons nonos. Si seulement Hercule n'était pas là. Ah, si seulement Pif était ailleurs. La grande bleue, les cocotiers, les petits poissons. Oh.
premier arrivé minable a gagné. C'est ça. Croyez que les chats n'aimaient pas l'eau? De la chair à pâté. Du mou, je vais en faire du mou pour chat. Un vrai paradis. Et pas un chat à l'horizon, c'est le pied. Hercule, qu'est-ce que tu fais là? J'ai décidé d'établir mon campement à cet endroit précis. Si tu ne décampes pas d'ici immédiatement, Hercule, je te promets que ça va aller mal. Bien fait. Si c'est la guerre que tu veux, c'est la guerre que tu auras. Vous pourriez pas parler moins fort, non? C'est une île déserte ici. Les îles ne sont plus ce qu'elles étaient. Ça, c'est le progrès. Tâchons de trouver une île déserte. Je m'en vais lui dire deux mots, moi, à ce faucheton. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Oh! Il est efficace, mon piège à pif. Artilleur, deuxième bordée, hausse 20, feu! Ça va pas se passer comme ça. Hercule, tu vois cette île? Eh bien, c'est un vrai paradis. Et j'entends en profiter. Et c'est pourquoi je te fais une proposition. On partage cette île et on vit tranquille chacun chez soi. D'accord? Partager l'île? Non, j'ai une meilleure idée, moi. Voilà, on joue à pile ou face. Face, je gagne. Et pile, tu perds. Parfait. On commence, patron. Eh ben, oui. Qu'est-ce que vous venez faire sur notre île déserte? Réquisitionner, il y a beaucoup de pétrole ici. Et alors, cette île est à nous. Voici le titre de propriété. Vous avez déchiré votre titre. L'autre moitié, c'est lui qui l'a. Mm-hmm. Et l'autre moitié? Je sais pas, moi, l'autre moitié, je sais. Bon, patron, on y va, on a assez perdu de temps comme ça. Pas question de toucher un palmier de cette île. Il faudra d'abord nous passer sur le corps. Oui, il a raison, nous passer sur le corps. Ah oui? Une retraite stratégique s'impose, je crois. Oui, tout ce qu'il y a de plus stratégique, d'ailleurs. Au revoir. Voilà le travail, patron. On commence le forage. Faites donc. Allez-y. Dites, patron, ça fait rien remarquer. Effectivement, ce n'est pas du pétrole, c'est de l'eau. Vous retrouverez. Oh, c'est curieux, ça. On dirait que la terre s'enfonce. Dis donc, Pif, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se tait et on rame.